Bonjour Lydie. Bonjour Stéphane, bienvenue au camping Les Deux Vallées, situé à 35 minutes de Millau et à 800 mètres du joli village de Nant. Donc le camping est ouvert de mi-avril à mi-octobre, on est classé 3 étoiles. Donc le camping est situé en bordure du Durzon et à deux pas de la Dourbie. Deux cours d'eau classés en première catégorie et très appréciés des pêcheurs car riches en truites fario. Donc il y a plusieurs techniques de pêche possibles, le toc, la mouche et toutes les pêches au leurre. Il y a aussi des parcours prévus pour la pratique du no-kill. Voilà, bonjour Serge. Bonjour Stéphane. Donc on est ici dans l'Aveyron, dans le camping des Deux Vallées. Oui. Donc vous avez fait un long voyage pour venir... Ah oui, 750 km. 750 km pour venir voir... Pour la passion de la pêche. Taquiner les truites aveyronnaises. Voilà, voilà. Hein? À la mouche essentiellement. D'accord, donc voilà, donc ici comme technique, vous utilisez, qu'est-ce que vous pratiquez? Moi je suis passionné par la pêche en sèche, donc je ne pratique que celle-ci. Autrement, après, certains peuvent se divertir avec la pêche en nymphe, en mouche noyée, etc. etc. quoi. D'accord. Donc... Toutes les possibilités s'offrent ici. D'accord, s'offrent ici. Et il y a plusieurs rivières. Donc, il y a des rivières. La chance, c'est d'avoir la rivière au pied des bungalows et au pied du... Ah, bah tout à fait. Comme moi qui suis en séjour au camping des Deux Vallées à Nant, au bout du camping, je peux pêcher la rivière Le Durzon, une rivière de première catégorie avec des eaux de qualité exceptionnelle. Et à moins de 200 mètres de là, passe la Dourbie, alors une autre dimension que le Durzon, hein, 3-4 fois la largeur du Durzon, rivière également, tout comme le Durzon, relativement poissonneuse, des truites qui se battent très bien par rapport à celles que je connais dans le Doubs franco-suisse. C'est passionnant, l'Aveyron est passionnant pour la pêche en particulier. Donc nous vous accueillons dans un parc arboré de 2 hectares qui compte 80 emplacements, donc certains pour camper et d'autres avec des locatifs, mobil-home ou chalet, tout équipé et très confortable avec la télévision. Donc vous pouvez pratiquer plusieurs activités, les randonnées, balades à vélo, sport nature. Il y a beaucoup de sites à visiter, entre autres le viaduc de Millau et les caves de Roquefort. Vous pouvez profiter sur notre camping d'une piscine chauffée, d'un barbecue collectif et de l'accès Wi-Fi sur tout le camping. Bref, c'est l'endroit idéal pour se ressourcer et profiter des plaisirs de la pêche dans un cadre naturel préservé. Alors à très bientôt au camping Les Deux Vallées et retrouvez plus d'informations sur notre site www.lesdeuxvallées.com. Merci.